partage le live, partage le live. Tout à l'heure, on ouvre la ligne. Chacun va donner son point de vue. Voilà, Elim Bilobé a crié en grande pompe. Voilà, partagez le live, sécurisez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sécurisez le live. Nous allons décrypter. Nous allons décrypter et voir le cheminement de Elim Bilobé. Voilà, qui est reçu en grande pompe du côté de la France. Elim Bilobé est-il un opportuniste ou profiteur de la situation pour se faire une place? Pourquoi? Parce que pourquoi ne s'attaque-t-il pas à l'entreprise Dangote qui est installée sur le site du Ngondo? Question. Question. Pourquoi Dangote ne s'attaque-t-il pas à l'entreprise? Pourquoi Elim Bilobé ne s'attaque-t-il pas à l'entreprise Dangote qui est installée sur le site du Ngondo? Quand on dit le Ngondo, c'est quelque chose de nos ancêtres. C'est un héritage, le Ngondo. C'est une tradition ancestrale. Mais voilà un homme, parce qu'il a de l'argent, est venu s'installer là-bas. Elim Bilobé passe ses journées, matin, midi, soir, à tirer sur les Bamileke. Mais est-ce qu'un Bamileke a déjà occupé un espace sacré? Question. Est-ce qu'un Bamileke s'est déjà installé dans un espace sacré, Sawa, ou quelque part? Je ne pense pas. Pourquoi Elim Bilobé ne s'attaque pas à M. Dangote? Ou bien c'est la proie la plus facile? Bamileke, est-ce que c'est la proie la plus facile? Donc, partage le live, les gars. On partage le live. On partage le live. On partage. On partage. Tout à l'heure, je vais ouvrir la ligne et chacun va donner son point de vue. Parce qu'on ne comprend pas ce qui ne va pas. Est-ce que les Bamileke doivent aussi assumer leur part de tribaliste dorénavant? Question. Question. Est-ce que les Bamileke dorénavant doivent comprendre que non? Quel que soit cela que ton frère insulte, dénigre, stigmatise, matin, midi, soir. Est-ce que les Bamileke doivent aussi les assumer? Comme on accueille Elim Bilobé en grande pompe, on l'assume du côté de la France. On ne dit pas que c'est tous les Sawa. On ne dit pas que c'est tous les Sawa. Mais c'est un Sawa. Non, ça n'a rien à y voir. Le site. Les élites peuvent être malhonnêtes. Les élites peuvent être malhonnêtes. Qui t'a dit que quand on est élite, la terre t'appartient? Qui t'a dit que parce que tu es l'élite de ton village, que la terre t'appartient? Qu'est-ce qu'il veut dire d'avoir élite? Les élites sont les enfants d'un village qui appartient à une classe sociale. Ça ne donne pas droit à la terre. Qui t'a dit que c'est parce qu'on est élite qu'on doit vendre la terre? La terre, c'est pour les générations futures. Le Ngondo, le site du Ngondo, là, au rond-point là-bas, c'est un espace sacré. Qu'un individu est venu s'installer, alors qu'il a les milliards, il pouvait aller à Djebale. Il pouvait aller loin, quelque part là-bas, dans une brousse. Il crée sa cimenterie. Mais il est venu rester sur le site du Ngondo et il pollue l'air, il pollue le vouri. Pourquoi Elimi ne parle pas de ça? Quelque chose aussi grave. Les anciennes cimenteries du Cameroun, oui, s'est installé là-bas depuis les années. Depuis les années. Mais comment se fait-il que en 2000, qu'une société dans les années 2000, dans à notre ère, les temps modernes, une société vient s'installer en plein cœur de la ville. Comment se fait-il que une société vient s'installer en plein cœur de la ville? À qui appartient cette société? Au plus riche de l'Afrique. Monsieur Dangote. La société Dangote. Quelqu'un qui pèse les milliards. Donc quelqu'un que n'importe où il pourrait s'installer. Et il nous sort le ciment là-bas. Ça veut dire qu'il pourrait profiter et pas développer un village. Pourquoi Elim Bilobé ne s'attaque pas à lui? Pourquoi ne parle-t-il pas de cela? Donc ça veut dire que monsieur Elim Bilobé, c'est un tribaliste notoire.
Il surfe sur le tribalisme. Et là, ça plaît au régime, au système en place. Pourquoi Elie Bilobel ne s'attaque pas, ne dénonce pas tous ces administrateurs-là? Tous ces administrateurs, ces délégués, ces chefs-lieux, tous ces délégués régionaux-là. Que ce soit de la police, gendarmerie, gouverneur, parfois préfet, sont d'une même région. Pourquoi Dangote ne parle pas de cela? Pourquoi Elie Bilobel ne parle pas de cela? Pourquoi Elie Bilobel ne dénonce pas cette manière de faire? C'est un tribaliste ou bien c'est un opportuniste? C'est très important. C'est très important. Ok? Qu'est-ce qui veut dire quoi d'abord? Qu'est-ce qui veut dire quoi? Quoi? C'est ceux-là qui ont adopté la culture des autres. La culture des blancs. Moi, je n'ai pas adopté la culture des blancs. Tant pis pour toi. Si tu es un quoi, ça te regarde. Ok? Un quoi, c'est qui? Un quoi, c'est quelqu'un qui a adopté, qui a embrassé la culture des autres, qui veut faire comme les autres, qui est devenu chrétien en oubliant sa culture. Dit que les tombes, c'est quoi? Les camps, c'est quoi? C'est ça un quoi, non? Pour toi, être un quoi, c'est quoi pour toi? Qui t'a dit? Être un quoi? Un étranger. C'est clair. Comme on peut dire que chacun est étranger. C'est clair. Mais ça ne demande pas, ça ne t'oblige pas à devenir tribaliste. Pourquoi pas? Que, est-ce que vous épousez un quoi? Mais ma femme est un quoi? C'est ce que tu veux savoir. Ma femme est belle et bien quoi? C'est clair. Ça n'a rien à y voir. Ce n'est pas ça le sujet du débat. C'est ce que tu veux connaître. Ma femme est quoi? Je suis né dans le Mungo, on ne connaît pas ça. Mais n'oublions pas que dans tous les temps, il y a les tribalistes. Comme dans tous les pays, il y a les racistes. Il y a ceux qui n'aiment pas les étrangers. L'étranger, c'est qui? Est-ce qu'un Camerounais doit être étranger chez lui? Non. Nous sommes tous des Camerounais. Je suis libre de m'installer n'importe où. Elie Bilobel est-il soutenu par le système, par sa communauté? Oui, ça a démontré à Paris. C'est toi qui dis que non, il ne vaut rien. Mais regardez comment ses frères l'assument. Donc tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone. Hein? On a remplacé Essobo par un autre, toujours Essobo. Il va à Diboa. Est-ce que Elie Bilobel peut parler de lui? Dans Douala, dans la ville de Douala, il y a combien de Sawa qui sont délégués à la sûreté nationale? Il y a combien de Sawa qui ont été collégiens? Combien de Sawa détient les postes stratégiques à Douala? Combien? Au port, on a Suris Ngor qui est là-bas. Pourquoi ce n'est pas un Sawa? Pourquoi Elie Bilobel ne parle pas de ça? Le Bamileke, c'est sa cible? This is question. Le Bamileke, c'est son moins cher? This is question. Ça, c'est la question. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais oui, bien sûr. Pour toi, Mbo, c'est quoi? Mbo, c'est le Sawa, non? Pour toi, être Mbo, c'est quoi? Quand on dit le Mbo, c'est le littoral, les Bakosi, tout ça. Pour toi, être Sawa, c'est quoi? Être Sawa, Bakosi, tout ça, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes peuples. Il n'y a que certains Bassa qui disent qu'ils ne sont pas les Sawa. Bon, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas parce que peut-être, je ne sais pas si c'est la rancune du fait qu'ils étaient arrivés. Et puis après, ça, ils ont laissé les Belges du Vouri, les autres se sont installés, ils sont fâchés contre cela. Bon, ce n'est pas ça mon débat aujourd'hui. Ce n'est pas ça mon débat aujourd'hui. Les gens du nord-ouest, sud-ouest, les gens du sud-ouest sont des Sawa. Pour toi, être Sawa, c'est quoi? Même ceux de Melon sont les Sawa. Tout le monde, là, c'est des Sawa. Les Balons même sont les Sawa. Les Bafons sont les Sawa. Ils se comprennent, ils ont les mêmes noms. Mais oui. Hein? Ça veut dire que tu ne connais pas alors ce qui veut dire Sawa. Ça veut dire que tu es villageois. Bon, c'est même pas ça le débat. Bon, dis-moi alors, est-ce que Dangote est Bamileke? Est-ce que Dangote est Bamileke? Bon, d'abord, il faut que je te bloque. Parce que je me rends compte que je dois te bloquer. Ok. Merci. Thank you. Ciao. C'est bon. Voilà.
Il est bloqué. Bon, dis-moi alors, est-ce que Dangote est Bamileke? Si ce n'est pas que c'est la jalousie. Ce n'est pas la jalousie, bien c'est quoi? Bon, toi aussi tu es bloqué. Tu es bloqué, Sénat. Sénat, Lionel, tu es bloqué aussi. Tu me verras plus. Ok. Donc tout à l'heure, j'ouvre le téléphone. Vous pouvez appeler. Hein? On a pour une heure de temps. Chacun doit donner son point de vue. Donc je connecte le téléphone au speaker. Comme ça, chacun doit appeler pour donner son point de vue. Tout mauvais commentaire, on bloque. Christian, s'il te plaît. Tout mauvais commentaire, tu bloques. Bizarre là. On n'est pas ici pour ça. Tout forme de commentaire bizarre, on bloque. Voilà. C'est clair. On n'a pas le temps à perdre. Toute forme de commentaire bizarre bloc. On n'est pas ici pour perdre le temps. On n'a pas besoin de la sympathie des gens. Va les défendre sur ta page. Ouais, ça va énerver les gens, ça énerve. Ouais, le gars là m'a bloqué. Le gars là m'a bloqué. Comment il me bloque, non? Ouais. Oh, il me bloque pourquoi? Il y a un là qui pleure dans mon WhatsApp. Que non, grand frère, tu sais que comme c'est la politique, vraiment, c'est la politique, grand frère, chacun a son opinion. Mais mon ami, tu viens sur ma page donner ton opinion. Tu n'as pas ta page. Hein? Vraiment, grand frère, débloque-moi, pardon, vraiment. Tu sais que quand tu parles de la vie, je suis content. Et attendez, je parle de la vie, tu es content. Mais quand je parle de politique, si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de faire les faux commentaires. Tu es bloqué. Hé, mon frère, tu es bloqué, tout simplement. Calasse, pas de discussion. C'est clair. Kalimbi Lobert. Hein, quand Elimbi Lobert dit des conneries qui n'ont pas de sens, vous n'êtes pas là à dire que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Maintenant, on ouvre le débat. Chacun peut donner son point de vue. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Donne ton point de vue. Ok? Elimbi Lobert passe son temps à tirer sur la communauté Bamileke. La communauté Bamileke s'est installée quelque part sans payer les terrains. Peut-être oui à l'époque, mais les temps d'hier ne sont pas les temps d'aujourd'hui. Le terrain que n'importe qui a acheté il y a cela 30 ans ne peut pas être le même prix aujourd'hui. C'est clair. Le terrain que ton grand-père a acheté il y a de cela 50 ans, 60 ans ne peut pas être le même prix aujourd'hui. Est-ce que les Bamilekés ne sont-ils pas les Camerounais? Question. Elimbi Lobert est un opportuniste. Faites attention parce qu'il y a les opportunistes. Un opportuniste, c'est quoi? Il prend un sujet aussi sensible comme le tribalisme. Comme la stigmatisation. Il sait que ça plaît au régime. Il surfe sur ça pour pouvoir vivre de cela. Pour pouvoir manger de cela. Parce que Elimbi Lobert, parfois, les gens lui font des procurations pour vendre le terrain. C'est quelqu'un que je connais bien. Voilà. Donc nous sommes souvent sur la toile là. On connaît les gens en vrai. Voilà. Nous, on se connaît nous tous en fait. Il y a quelqu'un là, c'est qui est sûr, qui me connaît parce qu'il connaît quelqu'un que je connais. Il connaît quelqu'un bien. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a des personnes qui disent que mon combat, je vais utiliser telle manière pour me positionner. Voilà. Et j'utilise la manière ici-là parce que c'est la plus bonne des manières. Parce que ça intéresse au régime en place. Mais c'est aussi un mauvais jeu. C'est aussi un mauvais jeu parce qu'à cause de toi, les gens paient le prix. Tes enfants, tes frères croient que le combat que tu mènes, c'est un vrai combat. Eux aussi servent sur ça. Aussi servent sur ça. Et puis, tu ne sais pas où ça peut arriver. Comme hier, les Vision 4 ont joué le mauvais jeu. Ils ont joué un mauvais jeu hier. On se souvient, Ernest Obama. Combien d'entre nous connaissaient que Ernest Obama s'appelait Nana Ernest Obama? Qui? Ils n'avaient jamais assumé son nom. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un jeu. Ils savent qu'ils sont en train de jouer un mauvais jeu. Et pour cela, il faut même régner ton nom. Il faut même régner une partie de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne savez pas jusqu'où le tribalisme peut aller.
Je connais dans des familles où tu vois un gars s'appelle Tchakounte et Tamé. Tchakounte et Tamé. Mais il n'assume pas son nom de Tchakounte. Pourquoi? Parce que il occupe une certaine fonction. Tu vas même dans son bureau. Tu te dis que, mais attendez, c'est pas mon ami de classe ici là. Mais il s'appelait Kamga, peut-être Mukwete. Mais subitement, son Kamga a disparu. Tu dis que, mais attendez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais non! C'est parce qu'il va jouer au jeu. Il se prépare déjà en attendant le moment venu. Mais oui! Mais oui! On voit les nordistes se sont installés partout. Pourquoi ils ne parlent pas d'eux? On voit les nordistes installés là-bas à Bonaberry. Ils sont même chefs de village. Pourquoi Eli Bilobe ne parle pas des nordistes qui sont installés à Bonaberry? Pourquoi Eli Bilobe ne parle pas des nordistes qui sont au Cameroun, qui sont là, et qui sont aussi camerounais, à même titre que les Bamileke, installés? Vous allez voir, Eli Bilobe, oh, il y a un chef de troisième degré là-bas, dans le Mungo, à Melon, nanani, nanana. Mais alors qu'à Douala, il y a les chefferies de troisième degré, que c'est nos frères du Nord qui sont là-bas. Pourquoi ne parle pas d'eux? Vous voyez, dans la vie, il faut tous s'attaquer de ceux-là, que derrière eux, on peut avoir de quoi manger. Je pense que Eli Bilobe, c'est un tribaliste et en même temps un opportuniste. Pourquoi? Un opportuniste, c'est quelqu'un qui surfe sur quelque chose. Mais il oublie que, au fur et à mesure que tu surfes sur ça, mon ami, ça devient vrai et réel. Faut faire attention. Regardez bien beaucoup de gars qui font le maraboutisme ici là, les escrocs ici là. Ils finissent par croire qu'ils sont les vrais marabouts. Ils partent par mettre, ils finissent par mettre les mains quelque part. En croyant qu'ils non, ils sont les vrais marabouts. Donc les gens comme les Nibi Lobert, regardez comme il est accueilli en grand pont. Il en a fait quoi vrai? Il défend quelle cause? A-t-il sauvé Dikolo? Voilà Dikolo qu'on est venu casser les gens. Et Nibi Lobert était ouf. Voilà une entreprise, une société, mais c'est quoi? Mais c'est Méridien ou c'est quel hôtel qu'il voulait construire. On est venu tout détruire. Avec la complicité des autorités. Où est passé Elie Bilobe? Il n'est pas vu. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Moi, en fait, je n'ai rien contre ce monsieur. Mais j'ai un problème à sa démarche. Pourquoi? Parce que lui, là, il ne s'attaque qu'à une certaine communauté. Et en moment de la vie, quand c'est trop, c'est l'air. Voilà. Et je profite pour interpeller aussi les Américains. Il est temps que vous vous unissez. On ne réussit pas dans la division. Et c'est ce que les gens veulent vous faire croire. Que non, celui-là, il est comme ça. Il faut assumer ton frère. Et tu es imbécile que tu sois. Il faut assumer ton frère. Hein? J'ai dit ce matin que l'épanouissement du peuple bamileke dépend de l'avenir politique du Cameroun. On va toujours vous embrouiller là comme ça, là, que vous êtes dans la division. Ne vous unissez pas. Ne vous unissez pas. Ne soutenez pas vos leaders. Restez là. Soyez dans la division. Faites comme si non, ça ne concerne pas. Je ne suis pas concerné pour ce que celui-là fait. Pendant ce temps, voilà un qui voulait créer une entreprise de chocolat. Il a acheté le terrain, mais c'est là-bas, dans le Grand Sud. On lui a dit que, monsieur, tu ne mérites pas avoir 50 hectares. Mais pendant ce temps, on préfère vendre aux Chinois. On préfère vendre le site du Ngondo à Dangote. À Dangote, c'est-à-dire un étranger. Pas un Camerounais. D'ailleurs, on peut te faire le bar parce que toi, tu es Camerounais, tu es Bamileke. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, c'est parce que tu es bar et tu es Bamileke. Donc, c'est pour dire que mes chers frères et sœurs, il faut apprendre à être conscient. Nous sommes dans une démarche qu'il faut prendre de la hauteur. Arrêtez d'être là comme les frustrés, les petits peureux là. Le temps là n'est plus à blaguer. 2025 c'est bientôt. Ils vont bientôt ressortir comme en 2018 là, tout récemment là. 2025 c'est bientôt là. Chacun se prépare déjà. Quand vous voyez les Henriette et Kouai, chacun tourne de veste. C'est là hier qui a crié que toutes les autorités administratives dans Douala étaient de la même tribu. Vous avez vu son retournement de veste l'autre jour, Henriette et Kouai. Arrêtez quoi? Son retournement de veste. Il faut beaucoup faire attention. Prenez de la hauteur. C'est clair. Il n'est pas interdit de s'unir. Hein? Et je ne suis que content, comme ses frères lui ont donné de l'honneur.
Je ne suis que content, c'est clair. Il n'est pas interdit de s'unir. C'est pour vous rappeler qu'il faut aussi vous unir. C'est clair. Et ce n'est que normal que tu sois acclamé par ta communauté. C'est une bonne chose. C'est normal, c'est bien de voir les frères qui s'aiment. Parce que tu as un petit auberge quelque part, parce que tu as un petit kiosque quelque part. Non, on dit que non, ton frère là, comme tu vois là, il a dit comme ça. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Voilà Jean Bruno Tagne qui allait aux États-Unis aujourd'hui. Il allait voir Alain Gana pour son livre. Ça a changé quoi sur lui? Hein? Donc, qui t'a dit que parce que Elie Milo ben, passe son temps tous les jours à tirer sur les Bamilékés, à tourner tout, à manger le Bamiléké dans les sauces patates, manioc, tout et tout, avec la poule, avec tout ce qui va avec le nolet, il mange le Bamiléké dans toutes les sauces. Qui t'a dit que parce que ses frères ne l'aiment pas? Hein? Ce qui est sûr et certain, il retrouve certains qui l'aiment et qui l'assument, comme vous avez vu là. C'est clair. Donc assumez-vous aussi. C'est comme ça. C'est dans cette démarche que le Cameroun va changer. Chacun doit parler de sa frustration. Chacun doit sortir de sa frustration. Mais c'est clair, que ça te plaise ou pas, c'est ça. Voilà le résultat de son combat. Voilà le résultat de son combat. Donc, restez là, vous restez là. Hein? Voilà. Non, 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 tu parles mal, tu es bloqué, mon cher frère Ebolova. C'est tout, je m'en fous de toi. Est-ce que vous avez dit que j'ai encore besoin de gens sur la page? Non, non, pas besoin. Celui qui parle mal, il est bloqué, c'est clair. Je suis en train de bloquer, on enlève tout le monde. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc vous êtes là, d'ailleurs, voilà quelqu'un qui passe son temps à tirer sur les gens avec qui ils n'ont pas de problème. Non, oui, oui. Et puis les autres acclament. Et lui, il ne passe son temps à tirer sur les gens, une communauté qui n'ont pas de problème, avec qui il veut depuis des années. La communauté la plus proche de l'homme Sawa, du peuple Sawa, c'est l'homme de l'Ouest. Ils ont tous vécu en harmonie depuis les années. Mais c'est lui, chaque matin, qui se lève là. Voilà, il parle de Bamiléké, n'importe comment. Hein? Et puis voilà, il est soutenu par ses frères. Mais quand c'est l'homme Bamiléké qui fait comme ça là, est-ce qu'on devait, le soutenir? On devait passer par derrière en cachette, venir là, voilà, comme deux les peureux. Les gens qui... Parce qu'aujourd'hui, chacun veut absolument vivre. Et bien, ça sert à quoi de vivre alors que tu es un esclave? Ça sert à quoi de vivre alors que tu es un esclave? Que non, et la politique, je n'aime pas moi, ça manque vraiment... Attends, tu es malade. Tu es malade, gars. Tu es malade. Tu vas subir des politiciens. On va te sceller. On va bloquer ta marchandise au port. Tu vas vendre ça. Tu vas vendre ça aux enchères. Petit salopard. Le Limbi Lobe que tu vois là ne peut pas subir les injustices. Parce qu'on sait qui va parler. Donc ne vous engagez pas. Tu sais, moi j'adore les hommes courageux. Moi je vous dis, j'adore les hommes courageux. Moi qui parle là, je ne peux pas subir l'injustice. C'est qu'est-ce que je vais mettre sur le carrefour. Que tu sois n'importe qui. C'est ça qui me plaît. Vous comprenez? Donc, arrêtez-moi vos histoires à deux balles là. Donc, j'adore les hommes courageux. Même pour dire le mensonge, il faut être courageux. Même pour fabriquer les choses qu'il fabrique là, il faut être courageux. Chacun son combat. Lui dit, mon combat, c'est les Bamiléké. S'il vit de ça, tant pis. Comme il y a ceux qui vivent du tribalisme, il y a aussi ceux-là qui disent qu'ils sont les panafricains, tout et tout. Ils prennent l'argent par-ci, par-là, ils s'en sortent. C'est ça. Tant pis pour toi, si toi-même tu ne veux pas t'engager pour que ton pays change. Voilà, c'est toi qui l'insulte chaque jour. Oh, autostop. Mais oui, mais attendez, j'encourage le peuple Sawa à acheter la voiture à Limbi Lobe. Il doit être véhiculé. Le voyage là, que ça ne suffise pas. Que Limbi Lobe en rentrant, vous lui donnez même 100 millions. Mais vous devez changer ses conditions de vie. Mais c'est clair, vous devez changer ses conditions. Parce que constamment, il est tout là avec la mallette. Tu vois une chaussure partir en côté. Il dit que, mais ouais, le père, c'est là, mais ses frères ne le voient pas. Comment ses frères ne le voient pas? Mais comment? Au moins, il peut parler à l'un homme. Mais comment? Même pendant les élections, mais faites à ce que même Elie Lobe ait même quelques voix. Hein? Portez-le en l'air. Hein? Portez-le. Mais oui, portez-le. C'est une bonne chose, comment?
Comment vous les laissez comme ça? Ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent alors que vous êtes là. Il ne faut pas seulement nous montrer le film, changer sa vie. Voilà, faites comme le président Maurice Kamto. Voilà, hein? Faites comme le président Maurice Kamto. C'est-à-dire, comme il est parti, là, il a demandé. Quand il dit que cotisation, 1 million de dollars, on cotise, c'est ça. On ne peut pas être là, vous laissez votre champion qui est là, tout et tout. Mon ami, chaque peuple, c'est champion. Voilà. Chaque peuple, c'est champion. Il coule la sueur chaque temps. Il est devenu un pasteur. Il est devenu un prêtre. Il lit la Bible partout, à tous les niveaux. Mais quand même, vous ne changez pas sa vie. Matin, midi, soir, c'est le seul Camerounais, le seul Sawa, que matin, midi, soir, il est là. Il fabrique même les fausses histoires. C'est le Sawa qui a raison. Le Bamileka a tort. Le Sawa a raison. Le Bamileka a tort. Il ne parle pas du gouverneur. On va changer notre gouverneur, mettre tout quelqu'un du même village. Il ne parle pas. On va changer le collégion, mettre tout quelqu'un du même village. Il ne parle pas. Le commissaire du gouvernement, on va changer. Ouais, il ne parle pas. Le port autonome, c'est le même village. Il ne parle pas de ça. Il va tourner tout, Bamileke. Un Chinois, l'avocat de l'hôtel du projet de Dikolola, un Bamenda. Quand ça ne va pas avec eux, quand le Bamileke dit que le Bamenda c'est un Bamileke, ou bien le Bamileke c'est un, le Bamenda c'est un grâce fils, c'est notre frère. Non, c'est pas votre frère. Là, il ne veut pas qu'on s'unisse. Mais quand il se trouve que le Bamenda est dans une histoire où ça ne va pas avec eux, non, vous êtes ensemble. Tu as amené tes amis pour escroquer les terrains à mes frères. C'est les démarches à eux en fait. C'est les démarches. Hein? Non, c'est clair. Bon, je bloque celui-ci. Celui-ci a dit quoi? Bon, je te bloque, Ebolova. Ok, je te bloque. Petit chien que tu sois. Voilà, je te bloque. Je te bloque. Je te bloque. D'abord, doit être ici dans le mouvement. Tu fais quoi ici dans mon direct? On est en train de faire un développement. Hein? Regarde-moi celui-là. Il parle de trucs qui n'ont pas de sens. N'importe quoi. Celui qui se comporte mal, il est bloqué, c'est tout. J'ai le temps pour ça. Mais dire ce temps-ci là, c'est pour enlever certaines personnes. Parce que vous êtes là, vous jouez au sympa pour attendre 2025 pour venir embrouiller les gens. On ne peut pas être d'accord, mon frère. Ok? Voilà. Mon pays doit changer. Ok? Je suis dans une démarche du changement à la tête de l'exécutif. À la tête de mon pays. Mon pays va mal parce qu'il y a une mauvaise personne là-bas. Si on n'est pas d'accord, hein, pour la bonne marche et pour le développement de notre pays, qu'est-ce que je vais faire avec toi dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Hein? Je suis un homme sensible à ce système qui est là, qui empêche l'épanouissement du peuple camerounais et du développement du Cameroun. C'est clair. C'est comme Banga Diaspora dit là, ça tourne en quoi? Tu ne vois pas le palais de tout, que c'est les mêmes noms qui sont dedans. Ça ne t'intéresse pas, petit chien. Et tu dis que vous êtes des gens cachés là, vous venez là dans le direct des gens. Tu ne vois pas les tout, que tout le monde là-bas, c'est la même famille. Ça ne te dérange pas? Tu n'as pas honte que c'est les mêmes noms? C'est Bia, c'est Ngongo, c'est ceci, cela, c'est l'Invondo, Ayolo, tout ça, ça ne te dit rien? Hein? Que le chef de l'état-major, c'est les Meka, ça ne te dit rien? Hein? Ça ne te dit rien? Que le délégué à la société nationale, c'est Mbargangere, ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien là? Tu te sens comment en fait? Tu te sens comment? Tu vas me parler avec le président de l'Assemblée nationale, il a quel pouvoir? C'est le poste créé là, il mange, il boit, il se couche. Le président du Sénat, il a quel pouvoir? Il donne l'ordre à qui? Qu'aux deuxième personnalité du Cameroun, troisième personnalité du Cameroun. Quand tu vois les notes d'instruction, tu vois pas que c'est tout, tel qui a tapé, hein, c'est Ngongo, c'est ceci, cela. Ça ne te dit rien là? Ça ne te dérange pas un peu? Tu n'es pas mal à l'aise? Tu n'es pas mal à l'aise, mon frère. Je dis bien que tu n'es pas mal à l'aise quand tu écoutes les mêmes noms. Hein? Mon ami, ok, toi, tu seras bloqué, imposé comme tous. Elvis Sonnet, tu es bloqué toi-même. Il n'y a pas besoin. Je vous ai dit que celui qui se comporte mal, si tu vas à peine, tu es bloqué, Elvis Sonnet, tu n'as pas besoin d'être ici là. Je vous bloque vous tous. Oh, dégagez. Je lis, je suis lucide. C'est tant si je dors bien. C'est tant si je dors bien.
Monsieur Yuba, c'est ce qui va nous amener où? Il ne voit pas que ceux-là qui sont trop motivés, tout et tout, comme ton ancien ami, c'est parce qu'ils comptent sur la tribu. Voilà les gens qui font du mal à une république. On vient ici, quelqu'un vient là, il fait comme s'il veut les caresser, il veut venir. Tu veux justifier quoi? Tu veux justifier quoi? Tu veux justifier quoi? Que service de renseignement, c'est le même nom. C'est quoi ça? La gendarmerie, c'est le même nom. Hein? C'est pour le Cameroun, monsieur. Ousmane, Jazzy, je vais te bloquer. Ok, je te bloque, ok? Voilà, banni. C'est clair. Dégagez. Pas besoin de vous ici, là. Vous ne voyez pas que ça vous dérange? Ça ne dérange pas les gens, là? Ça ne vous dérange pas que nous sommes dans un pays, dans une république, et que ceux-là qui sont à des places stratégiques ont les mêmes noms, sont du même village? Vous devez avoir honte de venir dans mon direct pour écouter. Si tu sens que tu ne te sens pas à l'aise, tu quittes. Je ne suis pas ici pour insulter quelqu'un. Je parle de la logique. Hein? Je parle de la logique. La logique demande que tu écoutes ce que je suis en train de dire, même si je ne suis pas d'accord avec toi. La logique demande que, même si tu n'es pas d'accord avec moi, je te bloque, Makim, tu seras bloqué aussi, c'est tout. Nous quand on n'a jamais gouverné, attendons qu'il gouverne aussi, on voit. Vous ne voulez pas, d'ailleurs, vous n'êtes, vous voulez le changement, mais vous n'êtes avec personne. Le meilleur risque, c'est Maurice Kamto. Le meilleur risque, c'est Maurice Kamto, que tu le voles ou pas. Voilà, si tu n'es pas d'accord, ne fais pas les commentaires, tu seras bloqué. Oh, ouais, tu seras bloqué. Ce n'est pas l'heure de la discussion ici, là. Allez dans vos pages, tu m'as vu dans vos pages. Vous faites des choses là-bas, vous me taguez même, je vous gère même pas. Je vois, vous me taguez parfois, mais je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas le temps là de dialoguer. Ce n'est pas le temps de dialoguer. Le Cameroun est toujours en arrière. Donc ça veut dire que mon direct là, ça m'appartient. Ok? C'est mon mur, c'est ma page. Contradiction, qui que tu sois, je te bloque. Parce que mon Cameroun va mal. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de bonne fontaine. Je suis de la diaspora positive. Je fais partie de ceux-là qui contribuent pour la bonne marche du Cameroun. Tout récemment, on a mis les appareils de sécurité, les caméras à la prison de Mbanga. En Mbanga, on a donné le forage. Donc, ça veut dire que je participe, je connais mieux le Cameroun que beaucoup. Je contribue à la bonne marche du Cameroun. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, je ne suis pas ici pour parler, pour me faire voir. Je parle de la logique de la vie. Quel est ce pays-là, quand nous étions petits, on avait les bonnes fontaines. Aujourd'hui, ça n'existe plus. À l'époque, il n'y avait pas aussi autant de délestage. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Je me souviens récemment, ma fille a passé à la veille du BPC. On coupe la lumière toute la journée. Elle la prend dans le noir. Donc mon ami, pour cela, et c'est le 2 avril demain, c'est le jour où on m'a arrêté, on m'a torturé. Avec mon ami de lutte, j'ai nommé Longuet. Donc c'est un jour qui me fait mal. Et quand ce jour arrive là, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. On m'a tapé. On m'a torturé. Je n'ai jamais eu mal comme ça dans ma vie. On m'a tapé, on m'a torturé. On a arraché mon bas des pieds. Avec la machette. La machette pleine de sang. Une machette pas désinfectée. Peut-être pouvais choper la maladie là-bas. Je pouvais mourir là-bas. J'ai vu Longuet. J'avais peur qu'il lâche. Toi, tu viens parler quoi ici là? Mon ami, va sur le mur des autres. Je suis une victime, monsieur, imbécile que tu sois. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Que tu viens défendre quoi ici là? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Que dans un pays, on dit qu'une tribu ne peut pas être président. Mais mon ami va créer ta page. Qui t'a dit que j'ai besoin de toi comme mon abonné? Qui t'a dit que j'ai besoin de toi? C'est mon combat depuis longtemps, monsieur. Je suis dedans. Fais attention. Ce n'est pas l'heure de la distraction, mon frère. Ce n'est pas l'heure de la distraction. Je suis lucide. Donc, moins de commentaires, je te bloque. Comme Ebolo, voilà, il vient se faire tourner là chaque temps. Fais quoi avec toi? Mais ne mettre vos faux commentaires. Pas besoin. Pas besoin, mon frère. Chacun son mur. Même le mur de certaines personnes avec qui je partage la même idéologie, je ne commande pas là-bas. C'est rare pour moi.
Parce qu'après ça, j'ai quelque chose à faire. Ok? Voilà. Donc, je ne suis pas ici un comédien qui est là. Je suis dans une logique. Je suis un vrai Camerounais. Je ne suis pas un poltron, un vrai. Ok? Voilà. Et je me bats pour l'avenir de demain. Parce que j'ai peur pour mes enfants. Les dettes que tu laisses, tu ne payes pas. Tes enfants vont payer ça. Et l'avenir de ma famille, de mes enfants, dépend de l'avenir politique du Cameroun. Sinon, c'est tous les enfants des autres qui seront là. Ils vont remplacer leur père. Ils vont même remplacer leurs grands-pères dans le gouvernement si les choses ne changent pas. Voilà. C'est comme ça. N'importe quoi. Vous ne voyez pas les gens qui s'achètent chaque matin. Bon, toi, je te bloque. Voilà. Toi, je te bloque. Pas besoin de toi ici, mon frère. Il est le médicament de qui? Il n'est pas le médicament de quelqu'un. Oh mon Dieu, ça démarche, mon cher. Ok? Bon, toi aussi, qui a parlé que c'est le médicament? Il peut être le médicament de qui? Bon, je te bloque aussi. Le médicament, voilà, je te bloque. Te voilà, tu me verras plus. Et tu vas souffrir. Tu me verras plus. Tu vas souffrir. Emmanuel, regardez comment on te bloque. Je te bloque. Regardez, même si tu vas seulement acheter un autre téléphone. Et comme il sait que tu n'as pas les dos, c'est fini pour toi. Tu me verras plus. Et je te bloque de manière que même si tu as. Il faut que tu achètes un autre téléphone. Tu crées un faux Facebook. Maintenant, pour me voir. Comment ça pas une personne. On interpelle les uns les autres. Assumez vos frères. C'est tout. Assumez vos frères. C'est clair. Voilà. Sinon, si ce n'est pas normal, mais Elie Bilobe fait quoi dehors? Il fait quoi dehors? En divagation, il se balade. Quand il véhicule la haine chaque jour. Il véhicule la haine chaque jour. C'est clair. Ça veut dire que si c'est bien, oh, que c'est bien. Que les gens aussi fassent comme lui. C'est vous qui dites ça. Si ses chefs l'assument, si sa communauté l'assume, vous voulez quoi? Tu es quoi par rapport à un chef? Voilà un chef qui assume son enfant. Un chef assume son enfant, il lui donne la grâce, il lui donne ses bénédictions, avec le balai, voilà, voilà, voilà. Et puis, on lui dit, vas-y, tes frères t'attendent. Et ses frères le reçoivent. Mais toi, tu attends quoi? Tu attends quoi pour recevoir tes frères aussi? Hein? Donc, il n'est pas le village. Et mon frère, il n'est. Ok? Il n'est pas le médicament de quelqu'un. On demande aux gens que regardez comment il est en train de faire et ses frères l'assument. Qu'est-ce que vous vous attendez pour assumer vos pas de frères? Voilà. Voilà. Donc, voilà, celui qui parle mal, terminé. Voilà, vous croyez que. Pourquoi tu vas lui dormir? Pourquoi tu vas dormir? Pourquoi tu vas le dormir? Jeannot Magnan, pourquoi tu vas le dormir? Il est dans sa démarche. Hein? À chacun ses combats. Il est dans ta démarche. Il t'empêche. Qui t'empêche de faire de même? Il est dans sa démarche. Il a sa raison. Chacun a son combat. Pourquoi tu vas le dormir? Tu dormes par rapport à quoi? Qui te demande d'aller lui dormir? Hein? Est-ce que toi-même tu soutiens ta part de frère? Soutiens ton frère. Engage-toi en vrai. Engage-toi. Engage-toi. Ça ne sert à rien de rester là et crier nanani nanana. C'est clair. Comment tu vas le dormir? Tu le dormes par rapport à quoi? Hein, mon frère? Comment? Tu dois l'encourager. Il est dans sa démarche. Il est dans sa vision. C'est clair. Hein? Si sa démarche pouvait marcher, ses frères l'écoutent. Le Cameroun doit être bien. C'est clair. Voilà, c'est l'hôtel Marriott qui a voulu s'installer à Dikolo. Et que par la suite, on a déguerpi les gens. Je suis parti là-bas. J'ai logé une famille pendant 3 mois avant qu'ils ont trouvé où partir dormir. Est-ce que j'avais besoin de connaître Elie Bilobe? J'ai pas besoin de connaître Elie Bilobe pour loger une famille. Hein? Donc c'est ça. Nous sommes les Camerounais, c'est pour dire que quoi? Tout ce qu'on fait là, chacun va lire le moment venu. C'est comme ça. Alors, tu comprends? Quand l'heure arrive que c'est toi qui vas lire, tu vas que lire. C'est ça la finalité en fait.
Est-ce que quand on est venu casser à Dikolo, on a cherché à savoir si c'est ceux-ci-là, c'est les frères du ministre de la Justice. Rappelez-vous bien, le frère ministre de la Justice. Et bien que on a cassé Dikolo. Je dis bien que le frère est le puissant ministre d'État chargé de la justice. Il n'a rien fait. Donc c'est Elie Bilobe qui va faire quoi? C'est Elie Bilobe qui va faire quoi? Hein, mon frère? Ah, mon frère, donc il faut arrêter ça, les gars. Arrêtez ça. Prenez de la hauteur et puis engageons-nous. Et surtout les jeunes Camerounais. Le pays là va mal, pourquoi? Parce que vous allez là, vous laissez trop d'espace aux vieux. Arrêtez ça. Que les choses ne s'arrêtent pas sur les réseaux sociaux. C'est la démarche que vous passez sur les messages. Il y a beaucoup de manières de passer le message. J'interpelle les uns les autres. Engagez-vous en politique. Les vieux ont pris assez de place parce que nous ne sommes pas engagés en politique. Nous ne sommes pas engagés en politique. Nous ne sommes pas engagés en politique. Regardez les pays comme le Sénégal. Regardez les pays comme le Sénégal. En fait, tu ne peux rien faire. Quand tu as une jeunesse farouche devant toi, que chacun veut travailler, que chacun veut occuper une place. Mes petits frères, imagine que tu as une maison, tu as 4 garçons. Et que tous n'ont pas le travail. Et tu n'as que peut-être 10 locataires où tous les mois tu vas prendre 100 000. Ça te fait 1 million. Mon ami, connais que ça va devenir la guerre. Que le premier fils est marié, il n'a pas de travail. Le deuxième, le premier fils est marié, n'a pas de travail. Le deuxième est marié, n'a pas de travail. Tous habitent à la maison. Mon gars, tu vas les nourrir. Tu vas les nourrir. Maintenant, c'est ce qui dépasse l'homme camerounais à sortir de là où il se trouve là pour s'engager en politique. Regardez les pays comme le Sénégal. Regardez. Quand la jeunesse est engagée, les gars du BI là, la gendarmerie, l'armée là, tout ça, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Et les jeunes face aux jeunes. Mon ami, ils vont commencer, mais après, ils vont dire, ils vont rappeler mon décomérie. Qu'est-ce qui ne va même pas là? On tue même les jeunes, c'est pourquoi? Ils vont se retourner contre le système en place. C'est comme ça. Voilà pourquoi les pays comme le Sénégal ne peuvent plus rentrer en arrière. Macky Sall a tenté. Je pense que ce sera le dernier. Pourquoi? Parce qu'au temps de l'autre, Abdoulaye Wade, il a voulu tenter. Macky Sall l'a défait. À son tour, lui aussi, il a poussé à aller très loin. Porter tous les opposants, farouche à lui, taper en prison. Il les a laissés en quelques jours. Les volets sont devenus présidents. Ça te dit rien? Face à une jeunesse déterminée, l'armée ne peut rien. Attendez, toute l'armée du Cameroun, gendarmerie, police, hein? Armée du Cameroun, gendarmerie, police, hein? Et les militaires là, tout cela n'atteint pas 500 000. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous comprenez? Tout cela n'atteint pas. Même 400 000, ils n'atteignent pas. Donc d'ailleurs, tous les corps en tenue du Cameroun n'atteignent pas 300 000. Puisqu'on te dit que les pays comme la Russie, ils sont peut-être 1 million. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, là, gendarmerie, police, militaire, tout confondu, ils n'atteignent pas 300 000. Devant toute une jeunesse, nous représentons peut-être 60 à 70% de la population du Cameroun. Et nous sommes au chômage. On a des gens qui sont accrochés au Cameroun. Ils nous montent les uns contre les autres. Mais dans les autres ont les Elie Bilobe, seul fait ça pour vivre. Il vit de quoi? Elie Bilobe est reconnu juste parce qu'il s'attaque à une communauté, c'est tout. À part ça, il ne peut pas laisser. C'est clair. Ça part de Shiba à lui. Il a tracé son Shiba. C'est comme ça. Et il vit comme ça. Donc, ne vous engagez pas. Restez là. Voilà, 11 000, tu vois. 11 000 hommes. Bon, voilà, j'ai bien parlé, non? J'ai bien. Merci à toi, l'homme protégé. Mais oui, ils sont 11 000 hommes. Mais c'est vrai. Vous savez ce qu'il veut dire? Une armée de 100 000 personnes. Attendez, 100 000. Alors, tu as vu, il m'a dit, il dit là qu'ils sont 11 000. Peut-être si c'est vrai. Il dit même que toute l'armée, police, tout confondu, tous les corps gendarmerie, ils n'atteignent pas. Elle dit qu'ils n'atteignent pas 200 000. Déjà, même les fonctionnaires camerounais, tout confondu, n'atteignent pas 1 million. Les fonctionnaires,
Les fonctionnaires, tout confondu, sur tout le territoire, n'atteignent pas 1 million. Mais nous, on est là au chômage. Un pays, on n'envoie pas les gens en retraite. Vous voyez les gens, les gouverneurs qui sont là plus de 6 ans, ils devaient aller en retraite depuis. Les délégués régionaux ne vont pas en retraite. Vous connaissez vous connaissez combien de jeunes sont bloqués. Il y a des gars là que, quand un gouverneur part en retraite, c'est un préfet qui prend place. C'est un sous-préfet qui a la promotion. Hein? Ça décale, ça décale, ça décale. On emploie. On fait les concours à l'ENA. Mais il y a des gens là qui ne partent pas en retraite. Hein? Voilà Esoro qui a fait 6 ans. 6 ans. Donc, il atteint l'âge de 60 ans. Il fait encore 6 ans. Voilà comme ça qu'il a retardé un de ses subalternes de 6 ans de retard. Dès qu'il a retardé quelqu'un de 6 ans. Waouh, ma soeur chérie, Patricia, comment tu vas? Mais oui, il a retardé comme ça l'avenir d'un commissaire divisionnaire de 6 ans. 6 ans. Pendant ce temps, un gouverneur va pas en retraite. Hein? Il va à Diboa. Il devait partir en retraite depuis, ça fait 6 ans. Il est là. Il a 66 ans, 67 ans. Ils sont nombreux là. Les Lélés de l'Afrique qui devaient être en retraite. Ils bloquent comme ça là, la promotion d'un préfet. Demain matin, le pauvre préfet qui devait atteindre sa carrière, le rêve d'un administrateur civil, quand il est là sous-préfet là, son rêve un jour, en attendant un jour sur une nomme ministre, c'est devenir gouverneur. Ça, c'est ce qu'un sous-préfet m'avait dit. En attendant qu'un jour il devienne ministre, si Dieu fait, mais son rêve, c'est être patron de la région. Mais comment voilà un gars qui est préfet depuis 5 ans, 10 ans? Pourquoi? Il va finir ce qu'il part en retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouverneur qui est là, qu'on refuse d'envoyer en retraite. Tu bloques la promotion des autres. Tu bloques la promotion d'un sous-préfet qui est déjà sous-préfet depuis 10 ans, qui est administrateur civil principal. Gouverneur, préfet, c'est la nomination. Hein? Il y a des préfets, il y a des sous-préfets qui ont le même titre. C'est les nominations qui ont les mêmes années, le même cursus avec les gouverneurs. Un peu comme un commissaire divisionnaire, non? Un peu un commissaire divisionnaire qui est dans un bureau là, qui ne fout rien. C'est parce que le délégué n'est pas en retraite. Pour que lui aussi s'en nomme. On parle de nommer là tous. Mais au moins, il y a avancement pour chacun. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont les galons, mais qui n'ont pas de poste. Hein? Regardez-moi comme les trucs comme ça. Est-ce que vous savez qu'il y a les sous-préfets qui sont principaux depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans? Administrateur civil principal, il est là, sous-préfet. Pourquoi? Parce qu'on est là, on bloque les places, les gouverneurs ne vont pas en retraite. Dans un pays comme ça qui manque d'emploi, ils sont nombreux là. Les directeurs de sociétés qui ne vont pas en retraite alors qu'on devait les envoyer en retraite. Les postes ministériels, c'est autre chose. C'est les membres du gouvernement. Là-bas, c'est pas une affaire d'âge. Mais le repos est bien. Il faut se reposer. Il faut se reposer, les gars. Quand c'est trop, c'est l'air. Hein? Non, c'est... Moi, j'ai bien dit, c'est plus. 11 000, non, 11 000, c'est... 11 000, là, c'est plus. Les hommes en tenue, ils sont dans les bas 200 000, comme ça, là, tout confondu. Quand il parle des hommes en tenue, c'est l'armée. Avec l'armée régulière, la police... Y compris les billes, gendarmerie. Ils sont peut-être dans les 200 000 comme ça là. 200 000. 11 000, c'est petit, non? Hmm? C'est clair. Mais oui, c'est vrai. Combattre Maurice Tamto, c'est un business. Marthe, tu as compris. Merci à toi. Mais oui, c'est vrai. Les gars ont compris que c'est ça qui paye plus. Voilà. Est-ce qu'on a besoin? Le président Maurice Tamto a compris. C'est qu'il est Camerounais, c'est tout. Mais sachant que chacun doit se mettre sur ses gardes, c'est tout. On doit être éveillé. On n'a plus de temps à perdre avec les gens. Les gens qui vont venir dans ton inbox, vraiment Banga, j'aime ce que tu fais, tout et tout. Oh mon ami, sois réservé. Sois réservé. Nous sommes là les anciens. Nous sommes les anciens. Il y a même certains là qu'il faut bien regarder ton verre. Voilà. Il t'aime comme il dit, mais il n'aime pas ta vision politique. Et le Cameroun là ne peut que se développer avec la bonne personne. C'est tout. Voilà le problème du Cameroun. On a divisé les gens. Regarde-moi quelqu'un qui vient dire que les mbos ne sont pas les sawa. Donc, bon, les mbos ne sont pas les sawa. Donc, les bakosi ne sont pas les sawa. Les bakosi qui sont les frères des mbos, ils s'appellent Etame et Wane. Ils ont les mêmes noms, tout. Ils parlent, ils se comprennent.
C'est la division, c'est les enfants d'un même ancêtre. Comme les Grassfield. On se comprend tous, on a les mêmes noms. C'est ça en fait. Voilà un gars qui vient dire que le Mbo n'est pas Sawa. Les gens qui s'habillent même. Quoi que ce soit le hasard. Mais c'est les gens du sud-ouest qui sont les Sawa. Les Bayang et tous ces gens-là, c'est les Sawa. Les Bakundu, c'est les Sawa. Ils parlent, ils se comprennent. Comme les Willy de Paris, là. Willy de Paris, c'est un Bakundu. Ils parlent, ils se comprennent bien. Comme les John Gwete. John Gwete, là. Hein, tout ça, c'est les Sawa. Mais comme vous êtes dans une démarche de division, non, non, ça ne vous plaît pas. Les autres ne sont pas les Sawa. Pourquoi ils sont dans le littoral? C'est les frères. Quelle que soit la distance de chacun, ils sont déplacés, ils ont marché, tout et tout. C'est clair. C'est parce que ton frère s'est retrouvé loin au sud-ouest qu'il n'est pas ton frère. C'est ton frère. C'est clair. C'est un frère. Il y a les Bassar, mon Libérien, non? Qui parlent la même langue, non? On te dit qu'il y a les Bassar là-bas en Côte d'Ivoire. Parfois, ils ont les mêmes noms. Et les gens, ils sont dans une démarche. Je te blâme, mon frère. I don't have nothing to lose, mon frère. Il y a des gens que je regarde et puis sur ma page, c'est tout. Veuillez dire, tu le mets de côté. Voilà, si tu ne peux pas comprendre, si tu n'es pas dans une démarche où il faut que le Cameroun change, si tu as une vision où il faut garder les mêmes personnes, si on t'a payé, sache que tu vas créer autant de pages parce qu'on va vous bloquer. On va vous bloquer. Voilà. On n'a plus le temps à perdre avec certaines personnes. Voilà. Les histoires que. C'est parce que vous ne nous dérangez en rien. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de vous pour dire ce qu'on a dit. On est dans une démarche pour changer les choses. On n'a pas besoin de vous. Dans vos messages là, nous n'aurons plus la chance de rester même sur ce mur encore. On va vous bloquer. C'est clair. Donc c'est comme ça que demain tu vas me dire que les peuples de Mbanga ne sont pas les Sawa. Les peuples de Mbanga, les Baroum de Mbanga sortent du sud-ouest. C'est les Sawa, monsieur. Ils ont les mêmes. Ils parlent même. Pour vous là, qui vous a dit que le Sawa c'est le Douala? Pourquoi vous vous limitez à ça? Toujours dans la discrimination. Qui vous a dit que le Sawa c'est le Douala? Vous êtes tous dans la division. Les Yabassiens, c'est les Sawa. Les Yabassiens, c'est les Sawa. Les Bakossi qui sont loin, qui parlent en anglophone là, c'est les Sawa. Les West Madiko, c'est les Sawa. Les Bafon, c'est les Sawa. Est-ce que tu comprends bien? Les gens de Mburuku qui sont loin, loin, loin là. Mburuku qui sont loin là. C'est les Sawa. Là, tu comprends bien. Tu vas partir loin en Burkou, tu vas voir les noms qui se ressemblent. Les noms. Le nom ne manque pas. La langue ne manque pas. C'est similaire. La langue ne manque pas. Le nom ne manque pas. Elle comprend. Voilà. Tu peux beau tourner les gens, tu peux beau tromper les gens. Mais quand on suit le nom là, la langue, ça ne manque pas. Maintenant, on brûle les gens. Donc, il faut arrêter ça, mon frère. Donc, j'ai compris que M. Limi Lobert, c'est. Un imposteur, c'est tout. C'est un petit tribaliste. Voilà. Ok. Et puis. Non, mais c'est clair. C'est clair. Non, c'est ça qui est mauvais avec nous, les Africains. Que tel n'est pas d'ici là, tel n'est pas de là, tout et tout. Non. Ils connaissent ce qu'ils font, en fait. Ils savent ce qu'ils font, mon frère, réveil. Ils sont dans cette démarche-là, en fait. Parfois, fais attention. Hein. Je connais un faux profil, là, que c'est un gars. C'est un gars. De l'air qu'on insulte là. Mais comme il est proche à quelqu'un, il mange derrière lui. Il est dans le combat là. Il y a un là à l'époque qui marchait avec Baolan comme ça là. Il faisait le cissé aux gens partout, tout et tout. C'est un gars de l'Ouest. Hein. Un gars de l'Ouest qui était l'homme de main de Baolan. Ils sont dans l'air de main. Et il y a beaucoup là. Hein. Il y a beaucoup là qui sont dans l'ombre. On ne les présente pas seulement. Vous n'avez pas vu Ernest Obama? Parce qu'on a chassé Ernest Obama. Quand vous a dit qu'il s'appelait Nana Obama. Qu'il est même très proche. C'est comme ça non? Il y a des gens ici dehors, comme les Jérémy Ditap, non? Jérémy Ditap, que sa mère de Ngermanduka. Mais comment, peut-être, il veut être d'un côté pour être accepté. Il y a des gens comme ça qui renoncent à un côté. Hein? Qui renoncent à un côté. Et que c'est même là où tout a commencé. Le monde est cruel, hein? Vivons seulement. Mais où les gens n'ont plus de dignité. Hein? Voilà. Les gens n'ont plus de dignité ici dehors. Pour quelques petits intérêts comme ça là, les gens sont capables de régner les vraies vies, les vraies identités, pour quelques intérêts. Et demain quand ça les brûle là,
les pleurs. Mais c'est vrai, voilà, Obama, non, voilà, c'est comme ça pour la fin. C'est comme ça la fin. C'est comme ça toujours, voilà, Ernest Obama. C'est quand ça a brûlé sur lui. Quand il dit derrière que je m'appelle Nana, ça m'a même coûté cher quand je faisais le concours de l'ENAM, tout et tout, on m'a posé des questions. Le Nana là, c'est quoi? Parce qu'il y a aussi les nanas chez nous au sud. C'était quoi? Non, j'ai dit que non, ça a une connotation avec mes parents qui sont. Mais c'est qui? Mon père ou ma mère qui est de l'ouest. Tout. Donc, voilà, quand il se prononce déjà, il assume déjà ça. C'est que le côté là l'a brûlé. Tu sens qu'il a joué un mauvais jeu hier. Ça l'a brûlé. Ça l'a brûlé. Donc, faisons beaucoup attention. Les anglophones se réunissent avec les francophones parce qu'ils se rendent. Ce sont. Ah, mon ami, arrête ça. Arrête ça, dis donc. Les anglophones du sud-ouest sont les Sawa depuis la nuit des temps. Arrête ça, que les anglophones se réunissent avec les francophones parce qu'ils se sont rendus compte. Tiens, depuis quand? Depuis quand? Depuis quand ils sont rendus compte? Ce sont des frères. Voilà les gens comme ça, tu peux bloquer celui-ci. Hein. Et après, il va dire, mais c'est Sénat. C'est même qui me semble. Les Moukouettes sont au sud-ouest depuis les années. Les types Moukouettes. Mon ami, les Bakouettes parlent avec les Douala, ils se comprennent. Les Bakou aussi parlent, ils se comprennent. Les gens des Bonnets parlent là, ils se comprennent. Avec les Douala. Pourquoi vous référez toujours que le peuple Douala, c'est le peuple, seul peuple Sawa? Est-ce que les Douala sont les seuls Sawa? Les Douala sont les habitants de Douala. Ce n'est pas les seuls Sawa. Arrêtez ça quand même. Hein? Même les Bayangui, c'est le Sawa. Les Bayangui, c'est le Sawa. Il faut arrêter ça. Vous sortez même d'où avec ça? Que non, ils sont rendus compte. Ils sont rendus compte comment? Hein? Ils sont rendus compte comment? C'est les frères. Depuis la nuit des temps. C'est les colons qui nous ont divisés. C'est les colons qui nous ont divisés. Ce sont des frères. C'est les colons. C'est l'époque coloniale, tout ça. Nous, en fait, avec le temps, tu te rends compte que tous les Africains sont les mêmes peuples. Il n'y a que les autres qui ont compris ça. Hein? Le Belge assume que non, il a une parenté avec la France. Les Italiens te disent qu'ils sont plus rapprochés des Français, tout et tout. Ils s'assument, mais il n'y a que chez nous là. Voilà les gens qui sont des différents pays, mais qui s'assument. Mais il n'y a que l'Africain. Voilà tout un petit pays de moins de 30 millions d'habitants, mais qui ont de la peine à s'assumer, à se reconnaître comme tel dans la division. Mais vous allez avancer. Vous allez avancer. Vous allez avancer. Vous allez avancer là. Vous êtes encore au niveau là. On vous découvre dans les vidéos comme ça là. On voit vos petits. Ça veut dire que vous ne connaissez même rien en fait. Est-ce qu'il a besoin de relever ça dans son livre, mon frère? Est-ce qu'il a besoin de relever dans son livre pour que tu comprennes? Tu vas aller chez les Mbo là-bas, tu vas voir les Etamé. Tu vas aller chez les Mbo, tu vas voir les Massoma. Etamé Massoma. Hein? Les Batanga, tout ça. Hein? Tu vas voir les mêmes noms partout. Les Massoma ici, les Moukouettes là-bas, tous sont les mêmes noms. Les Tamé, les Dibango. Tu vas là, Yabasi, tu vas voir les mêmes noms. C'est le même peuple, mon frère. Comme tu pars chez moi, là, tu vois les mêmes noms. Hein? Prenons de la hauteur, les gars. Nous sommes le même peuple. Ce qu'on veut nous distraire, en fait. Nous sommes le même peuple, on veut nous distraire. Donc, il faut arrêter ça. C'est tout. Voilà. Parfois, il faut faire des vidéos où on est sérieux. Et c'est là où tu vois le visage de certaines personnes et tu les bloques. Comme là, j'ai bloqué, mais c'est qui, Ebolo, voilà. Il venait tout m'emmerder ici à chaque temps. Il joue au sérieux parfois. Je bloque. Soit tu n'écris pas, tu suis seulement. Parce que quoi, tu as dit que je vais te bloquer. C'est clair. Voilà. Nous sommes le même peuple. Voilà. Sud, bon, il y a que le Bamenda. Quand il dit qu'il est le frère Bamenda, non, chacun va dire, non, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Regardez bien. Tout le monde peut dire que tel c'est mon frère. L'homme du sud dit que l'homme de l'est c'est son frère. L'homme de l'est dit que l'homme du centre c'est son frère.
Parfois, ils vont même jusqu'à... Ils arrivent chez les Bassa, qui sont les frères. On ne dérange pas. Mais quand l'homme Bamineke, comme quand l'homme de Bafoussam dit que le Bamoun, c'est son frère, non. Quand l'homme de l'Ouest dit que le Bamenda, c'est son frère, jamais. Tout ça vient des Toudi là-bas. C'est bien, on a bien structuré les choses. Les autres peuvent dire qu'ils sont les frères. Tous les Nordistes peuvent dire qu'ils sont les frères. Tous les Sawa peuvent dire qu'ils sont les frères. Mais quand ça arrive sur l'homme Bamileke, non. Non, le Bamoun n'est pas un Bamileke. Qui vous a dit ça? Donc, parce que mon frère s'est islamisé, n'est plus mon frère. Qui t'a dit ça? Vous avez la même morphologie. Hein? Donc, parce que quelqu'un s'appelle Ahmadou aujourd'hui, il n'est plus mon frère. Donc, parce que mon frère s'est islamisé, il a changé le nom, il n'est plus mon frère. Qui vous a dit ça? Donc, c'est-à-dire que la religion t'arrache de ta famille. Les gens même sont même malheureux. Donc la religion t'arrache de ta famille. Hein? Il dit bien que est-ce que la religion t'arrache de ta famille? Quelle que soit ta religion, tu restes membre de ta famille. Tu es un enfant de la famille. Donc sachant que les gars comme les Limbi Lobes surfent sur le tribalisme pour s'en sortir, c'est tout. Comprenons ça. C'est son fonds de commerce, il vit de ça, il mange de ça. Voilà. Et quand il veut vendre ses terrains, si c'est un Bamileke, il vend, il reste tranquille dans son coin. Mais sachez que Elibi Lebre ne peut pas arrêter son combat anti-Bamileke. Parce que c'est ça qu'il mange. Il ne peut pas s'attaquer à Dangote. Il sait que là-bas, on ne le gère pas. C'est géré depuis Yaoundé. Le dossier d'Ikolo, il a commencé, ça l'a dépassé, sans suite. Voilà, nos frères dorment à la belle étoile. Il va faire quoi? Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut parler? Il ne peut pas. Donc c'est pour dire que c'est sa part de fonds de commerce là-bas. C'est sa part de fonds de commerce, les gars. Donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Ok? Voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Arrêtez-moi le débat là. Arrêtez-moi le débat là. Si toi tu veux venir parler, on va te bloquer aussi. Hein. Que les Bamileke et les Bétis sont les comptables du tribalisme. Le Bamileke est président. Qui pouvait arrêter ça? Il faut arrêter ça. Tu parles mal, tu seras bloqué là. Le Bamileke est comptable de quoi? Qui laisse, qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir exécutif? Qui nomme les gens? Il faut arrêter ça. Hein? Et voilà où tu veux venir comme ça là. Et tu es incapable de prendre position ou bien tu me dis d'où tu viens là, tu seras bloqué. Ok, mais Madame Marthe Hébert, que le Bamileke veut aussi le pouvoir. Le Bamileke veut le pouvoir. Et les autres utilisent l'administration pour le bloquer la route. Pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi l'État ne met pas en vigueur la loi? Que le tribalisme, on le neutralise. Ah donc, hein? Donc, c'est les gens qui vont venir parler mal de Bamileke dans les télévisions. Les Bamileke ne peuvent pas parler. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter vos genres de stratégie là. Je suis sûr que tu es les gens. Tu fais partie des gens là. Tu fais partie des gens là. Je suis sûr. Que le tribalisme. Qui instigue le tribalisme? Qui nourrit le tribalisme? Les vrais amis des tribalistes, c'est qui? Un homme comme Limbi Lobe doit être en liberté. Hein? Vous voulez toujours parler des choses. Qui a le pouvoir au Cameroun? Qui a le pouvoir exécutif? Qui détient la machine, l'armée, la police? Qui détient ça? Arrêtez-moi ça. Dans une république, on veut construire le pays. Arrêtez-nous ça. C'est pas une affaire d'amour. On parle sur le pays qui est au centre. Ok, cette démarche là où il y a l'impunité là. Ok, ça détruit le tissu social. Voilà, nos enfants vont hériter de ce genre de comportement là. C'est clair. Nous sommes dans une démarche que certains veulent que ça marche, d'autres veulent que ça ne marche pas parce que l'un des frères là-bas il mange. Et arrêtez ça. Je suis sûr que tu verras comme ça là, montrer ton vrai visage. Je suis sûr. Quand elle voit derrière une femme, c'est même, attends que je regarde là. Je suis sûr. Elle peut partir bien regarder ton profil. Elle veut voir les informations sur ça. Je suis là sûr que tu verras comme ça. Tu verras montrer ton vrai visage. Il faut arrêter ça. Ok? Quand ça va mal, écoute-moi bien. Quand ça va mal, c'est de celui qui détient le pouvoir. Bon, dis-moi un peu, si tes enfants se comportent mal dans la maison, on accuse qui? Dans une maison que les enfants se comportent mal, on accuse qui? On accuse les parents. On accuse les parents. C'est celui qui détient le pouvoir qui est comptable de tout cela. Parce qu'il n'a pas frappé la main sur la table. Parce que pour lui, c'est un avantage. C'est une stratégie pour lui. Pour continuer à durer au pouvoir.
diviser les gens pour mieux régner. Laisser les enfants se cogner la tête. Tu peux laisser tes enfants s'entretuer, s'insulter chaque jour. Hein? Dis-moi. Dis-moi combien de personnes on a interpellées qui ont instigé le tribalisme sur les chaînes de télévision. Combien on a interpellé? Combien de personnes on a interpellé? Combien? On a dit qu'on ne parlait plus de ça. Mais Elimi Lobe a continué à parler. Il est là chaque jour, il parle de ça. On a fait quoi? On l'a fait quoi, Elimi Lobe? On a arrêté. Arrêtez ça. Les gens parlent de ça chaque jour. On l'a arrêté. Alors que voilà les gens qui devaient servir de leçon. Donc il faut arrêter ça ici là, ok? C'est celui qui détient la machine. L'article 66, déclaration des biens, qui devait appliquer. Tu n'as pas vu le président sénégalais? Il a déclaré ses biens. Au Cameroun, là, les fonctionnaires déclarent les biens. Tu penses que moi, un officier de la police ou bien un procureur peut me dire, monsieur, montre-moi là où ton argent sort, mon ami. Lui-même d'abord qui me montre sa part. Je ne montre pas. Je ne parle pas de ça. Comment interpeller là? Non, tu vas monter là où tu as pris ton argent pour construire la maison-ci. J'ai demandé que toi, là, tu as appris que tu as telle chose. Mon ami, déclare toi-même tes biens. As-tu demandé à un homme d'affaires, un citoyen, de déclarer ses biens? Toi, tu as déclaré ta part. Tu es là, un fonctionnaire, avec une voiture de 35 millions, 40 millions. Tu as pris ça où? Qui t'a dit que ta tenue là te donne l'autorisation de tout faire? Non. Tu es malade. Va dire ça aux gens qui ne connaissent rien. Je connais mes droits. Appliquer l'article 66 à tout le monde. Je suis de la diaspora, tu me demandes où je viens. Va, voyage, viens ici. Viens voir ce que je fais ici là. Regardez-moi les gens comme ça là. Et je vois même souvent certaines personnes. On m'avait interpellé au Cameroun. Déclaration, c'est un abus, monsieur. C'est un abus. Nul n'a le droit. Et je veux que nul n'a le droit. Est-ce que vous savez que le Cameroun, c'est le seul pays au monde où tu peux sortir avec ton argent en route, tu rentres chez toi, tu dors. Le fonctionnaire de en tenue qui va t'interpeller, c'est un abus. Il n'y a pas la déclaration de bien au Cameroun. Mais oui, c'est là, mais ce n'est pas applicable. C'est d'abord fait pour eux, pour les fonctionnaires véreux et les politiciens. Si ceux qui sont à la tête des affaires, à la tête de l'État ne déclarent pas, toi tu déclares en tant que qui? Tu es qui? Qui te connaît? Qui te connaît? Hein? Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter le débat pareil. Ok? Voilà. Donc, une seule personne a créé tout ça. Il est au pouvoir et tout dit. Tout ça, c'est le schéma d'une seule personne. C'est le schéma d'une seule personne. Regardez bien comment c'est très ridicule. Regardez même nos artistes. Nos artistes ont de la peine à assumer certains hommes politiques. Non, nos artistes. Regardez en Côte d'Ivoire comment c'est libéral. La fille de l'os nous dépasse quand même. Hein. Mais oui, regardez en Côte d'Ivoire. Comment c'est free là-bas, c'est libre. Mais oui, comment c'est libre? Comment un artiste peut assumer Blaise Goudé? Comment tel peut assumer l'autre, Laurent Barbeau? Comment tel peut assumer? Oui, c'est clair. Mais au Cameroun, chacun est dans la peur. Parce qu'on n'a aucune culture politique. Les jeunes Camerounais, ils ont trop laissé l'espace aux autres. Que mon père va tout faire. Je ne forme pas mes enfants comme ça là. Je dis à mes enfants, hey, faites attention, l'école est bien, mais vous devez vous ingérer dans les affaires de votre pays. Reste là, à dire à ton enfant que non, ne t'occupe pas des choses des grands. N'envoie pas ton enfant à l'auto-école. Il y a des choses qui font grandir l'enfant. Il faut donner la responsabilité de nos enfants. C'est ça qui a fait ce que nous te payons comme ça. Parce qu'on nous a toujours retiré des choses, on dit que c'est des choses des grands. Quelles choses des grands? Et tu as subi demain. Ta place est où? Tu t'intéresses aux choses des grands maintenant là. Mon ami, tu vas le trouver en chemin et tu n'auras aucune expérience. On nous a retiré de la chose de notre avenir. On nous a retiré de la chose publique de notre pays. Comme ça, là, comme un jeu. Les gens se retrouvent que, hé, hey, je suis Camerounais qui a 40 ans. Je ne travaille pas. Qui se fait tard? Voilà au Sénégal, 44 ans. Avant ça, il était inspecteur des impôts. Regardez la culture. Maintenant, on va voir la morphologie. Là, il s'habille en boubou. Ah, bon. On t'a dit que l'homme, mon ami, l'habit, c'est pour se couvrir. L'homme, c'est ici, dans sa tête. Et tout ce que tu vas avoir. Voilà pourquoi nous, on a les docteurs, les professeurs. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Voilà le petit Sénégal. Voilà un gars, il n'est pas de la diaspora. Il va devenir président de son pays sans jamais voyager. Mais dis donc, Sénégal, mes respects. Mais si c'est au Cameroun, regardez comment il est habillé. Regardez, il parle,
Il parle le français, il mélange avec le patron. Il ne sait pas parler. Toi, tu as quoi? Tu peux écrire. Donne-lui le big là. Il n'y aura pas de faute de grammaire. On est là à réciter les histoires des autres. Les gars sont forgés. Les gars sont fabriqués pour l'avenir de leur pays. Et c'est parti à le Sénégal. Vous avez la fin. On a, mon ami, on a 200 ans derrière eux. Il n'y a même pas un match. Ça tire les vrais investisseurs. Les vrais. Vous croyez qu'il n'y a que les pays comme la France qui peuvent venir investir chez nous avec certains faux pays? Est-ce que les vrais pays peuvent venir s'installer dans un pays pareil? Il n'y a pas de sécurité. Mais oui, est-ce que les vraies personnes peuvent venir au Cameroun? Il n'y a pas de sécurité. Tu peux recevoir une vraie star au Cameroun. Où est sa sécurité? Quand on arrache le porte-monnaie, que les Camerounais ne fonctionnent que pendant les élections. Hein? Attendez, le Cameroun peut accueillir qui, vrai? Hein? Et le pays peut accueillir qui? Hein? Et que le pays, le Cameroun peut accueillir quelle vraie personne? Dites-moi. Le Cameroun peut accueillir qui? Mais vrai, le Cameroun peut accueillir quelle personnalité? Les gens ont peur pour la sécurité. Dis-moi, une vraie star là, une vraie star arrive au Cameroun, vous allez faire sortir de quel aéroport? C'est les aéroports dépassés. On fait comment? Pourquoi un homme? Un homme politique, c'est un homme politique. Hein? Un homme politique vient pour voilà les relations diplomatiques, tout et tout. Et puis après ça, il rentre. Il sait que mon gars, c'est un dictateur. Mais c'est les États ont les amis. Mais une star, c'est une vitrine. Quand une star, peut-être la tranche de, disons, peut-être de qui? Peut-être une star de la tranche de qui? De Rihanna. Hein? Une tranche de la tranche de, une star de la tranche de Samuel Jackson. On dit qu'il va venir au Cameroun. Mais attendez. Tu penses que tu vas faire comment? C'est une vitrine. Il faut vendre le pays à l'international. Une star de la tranche de Ronaldinho. S'il vient au Cameroun, mais il vient vous vendre au Cameroun, on va montrer la saleté. Voilà pourquoi il y a des pays où on ne peut pas inviter certains stars. Parce qu'il y a les réalités qu'il faut cacher. Ça va coûter plus cher. Parce qu'il y a des choses qu'il faut cacher. Alors, tu vas montrer quoi? Donc arrêtons ça, dis donc. Arrêtons ça. Alors, les faux investisseurs, un vrai investisseur peut venir investir quoi au Cameroun? Quoi? Hein? Quoi? Alors, sauf s'il vient faire ses histoires et puis il paye, il s'assoit. Voilà, tout un Dangote qui vient, un multimilliardaire. On pouvait lui donner peut-être tout un village quelque part là-bas. Il développe la cimenterie, il développe le coin, il met les lumières et tout. Mais il vient déjà là où les pauvres Camerounais ont ramblé pour faire le Ngondo, pour faire les traditions. C'est ça qu'on porte, on donne à un individu. Dis donc, le pays là, hein, avec la mentalité là, notre pays n'est pas se développer. Dans un pays normal, les gens qui réfléchissent, on devait porter Dangote. On peut lui donner un village. On partait même lui donner la mangrove de Manga Pongo là-bas. Hein? On partait lui donner la mangrove de Manga Pongo. Que ramble ça, tu t'installes, tu as l'argent. À la Dibamba là-bas. Là-bas, c'est la mangrove, c'est l'humide. Il y a l'inondation chaque temps là-bas. Il devait rambler ça. Va le travail qu'on est derrière à Dangote. Il y a les machines, c'est un milliardaire. Que bon, installe ta cimenterie là-bas. On va porter. On va porter le truc, on lui donne. C'est quoi ça? On va porter quelque part là où nos ancêtres, nos parents ont ramblé. On donne un nom, un cadeau au cœur de la vie de Douala. C'est les conneries, mon frère. Le pays aura de la peine pour se développer, c'est clair. On aura de la peine. Voilà, ça montre même que nous-mêmes là, nos grands frères là, nous sommes gros parents en fait. Le Camerounais, les parents là, quand ils ont 5 francs, non? Ben oui, ils ont 5 frères, ils ont à manger. C'est le ventre d'abord qui les intéresse. Voilà. Et que ça serve de leçon, allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Voilà. Et bientôt, les élections vont s'arrêter. Donc, allez vous faire inscrire. C'est tout. Allez vous faire inscrire. Très important. Sur ce, passez une bonne soirée. Une bonne journée. Et en passant, il y a le café, hein. Il y a le café de Bornéo. Tous ceux-là qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Il y a le café de Bornéo. Le paquet, ça sort 5 à l'intérieur. Ok? Le café, ça sort 5 à l'intérieur. Et en passant. La passation de service, c'est demain. Donc, désolé. La passation de service. La passation de pouvoir, c'est demain.
Voilà, la passation de pouvoir, c'est demain au Sénégal. Vous savez que tout a été trop inversé au Sénégal. Vous croyez que la passation pouvait être même dans un mois, comme souvent. Donc, mon frère, désolé, hein, donc, il y a le frère Jerry qui m'a envoyé l'argent. 100$. Donc, j'ai pas encore pris ça. J'ai pas encore pris l'argent. Gars, il faut aller récupérer ton argent, s'il te plaît. Voilà. Il y a la soeur Martine. Voilà, qui m'a envoyé l'argent, 150€ pour sa participation. Voilà, j'ai pas repris l'argent, il faut aller récupérer. Ok, voilà. Mon ami Ekwe Martin, voilà, il faut aller récupérer ton truc là, j'ai pas encore pris. Voilà, il y a la soeur Micheline, voilà, ma soeur Micheline qui a appelé toujours pour intervenir. Dans le direct de l'autre jour, voilà, qui m'a envoyé 200$. Donc, je crois que le total, c'est 650$ que j'avais déjà là. Et déjà, grand merci pour tous ceux-là qui ont eu, qui ont réagi spontanément. Je suis très content. Ça montre que vous m'aimez. Mais comme j'ai renvoyé le voyage là, parce que c'est très tôt là, c'est le 2, c'est demain. Voilà, c'est le 2, c'est demain. Et demain, c'est le 2, et tous les deux, je commémore la journée de mon arrestation et ma torture. Voilà. C'était la deuxième fois qu'on m'arrêtait. Et j'ai subi beaucoup de torture, d'injustice dans ma vie. Si je suis un peu devenu radical comme ça, là, je ne suis même pas radical. Si aujourd'hui je continue à combattre, c'est parce que je suis une victime. On dit parfois dans la vie, les gens viennent te parler, ils ne savent pas où tu viens. Ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. Voilà. Donc, le 2 avril, c'est cette journée-là que j'ai subi la torture de ma vie. La manière qu'on m'a torturé, c'était pour que je meure. Je rends grâce à Dieu. Donc, c'est une journée que quand ça arrive, j'ai la chair de poule. Donc voilà, j'ai la chair de poule quand je parle de ça. Donc demain matin, là, comme d'habitude, accoutumé, je vais montrer, je vais balancer une photo de mon pied avec la peau qui est arrachée. La photo, vous allez voir, c'est après une semaine. Non, après 2 semaines de ma torture. Parce que si je montre mon pied qu'on a torturé là, quelqu'un ne peut même pas manger. Donc voilà les gars, il y a les produits pour la goutte. Il y a les produits pour la goutte. La cire Eric. Donc voilà. Voilà les produits pour la cire Eric, la goutte. On a le store en France. Au Cameroun, voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Mais je suis un homme, hein. Voilà. À mon âge, on ne me convainc plus d'arrêter. C'est devant. Voilà. À mon âge, on me dit plus, arrête-toi. Pas parce que je suis trop vieux. À mon vécu, en tant que bosailleur, qui m'engage dans ce genre de combat, je ne sais pas qu'est-ce qui peut me convaincre. Quel argent? Ils vont me donner combien? J'ai là touché 200 millions dans ma vie. Mais oui, ils vont me donner combien, dites-moi. Ils vont me donner quel argent? J'ai acheté la voiture à 50 millions. Hein. J'ai acheté la voiture à 48 millions à l'époque. Ma Mercedes, ça fait 12 ans, 13 ans que j'ai ça. À l'époque, ils vont me donner quel genre d'argent que je n'ai pas vu dans ma vie? Ils vont me donner quoi? Nous sommes dans une démarche à perpétuité. Les choses doivent changer, pas pour nous, mais pour nos enfants de demain. C'est pour ça qu'il faut que les choses doivent changer. Les gens ne comprennent pas ma démarche. Et voyez beaucoup là qu'ils veulent le changement parce qu'ils veulent jouer la grande vie. Non, ce n'est pas ça mon problème. J'ai vécu la grande vie en fait. Ce qu'on dit dans la vie, il faut d'abord vivre avant de faire souvent certaines choses dans ta vie. Parce que parfois, celui qui n'a pas vécu peut te trahir. Il veut te trahir parce qu'il veut aussi goûter la vie. Mais nous, on a eu la chance qu'on en a mangé la vie et on a engagé. Donc ça veut dire que ce que moi je vois, c'est pas ce que toi tu penses.
Ce que je pense, ce n'est pas ce que toi tu vois. Tu vois un peu. Tu peux tout avoir. Mais en retour, tes enfants n'ont rien. Parce que tu n'as rien bâti pour eux. L'avenir de tes enfants, c'est le processus. Comment tu les as laissés? Il faut les fabriquer, il faut les forger. Ce n'est pas le nombre de biens que tu les as laissés. Tu peux tout laisser à tes enfants, pas derrière, dilapider tout. Parce qu'eux-mêmes, ils sont délaissés à eux. Le Cameroun doit s'assainir. Il ne faut pas que l'enfant s'intéresse au bien de ses parents. L'enfant doit s'intéresser à ses efforts. Attendez, mais il est normal que tu envoies tes enfants à l'école. Et demain, ils n'ont pas le travail. Comment? Nous devons être dans une société où le méritant doit mériter. Et voilà le pourquoi, voilà le rôle de l'État. À capter les meilleurs. À lancer les concours. On prend les meilleurs. Les meilleurs doivent être à la place qu'il faut. Voilà pourquoi notre pays n'avance pas. Parce qu'on n'a que des médiocres à la place qu'il faut. Maintenant, les méritants, ils ne sont jamais nommés. Ils ne sont jamais nommés. Pour nommer quelqu'un qui mérite, c'est rare. Voilà tout un ministre de la Santé. Mais c'est Madawuna Manamashi. Quelqu'un qui est ministre de toute une santé du Cameroun. Il est dans les élections. Tu sens un futur bandit. Tu sens quelqu'un qui a volé l'argent. Qui a détourné. Il est là engagé dans le RDPC. Et tous ceux qui s'engagent au RDPC, qui disent, aïe, aïe, Paul Biya, c'est un bandit. Tous sont volés. Mais lui, là, quand tu regardes, il a volé plus que les autres. Voilà un ministre de la Santé qui doit être dans les hôpitaux. Il est là à marcher, descendre pour les élections. Il demande à Paul Biya de se représenter. Ce n'est pas la sorcellerie. Donc, comme je vous ai dit, là, les 7 personnes qui m'ont envoyé l'argent, le total, c'est dans les 750 dollars. Voilà. J'ai cité le nom de 5. Il manque 2. Voilà. Donc, s'il vous plaît, allez prendre votre argent. Voilà. Allez prendre votre argent. Voilà. Je pense que je n'aime pas récupérer ça. Donc, voilà. Je voulais que ça atteigne le montant normal et puis que je prenne. Mais, comme on a renvoyé. Le voyage, j'ai renvoyé le voyage parce que c'est trop tôt là. Voilà. C'est trop rapide au Sénégal. Hein. Je croyais que ça pouvait être à la fin du mois. Voilà. Mais c'est le 2, c'est demain, c'est bizarre là. Donc voilà. On a le super magic. Super magic pour la faiblesse sexuelle. Non, pour l'éjaculation précoce. Voilà. On a le produit pour maigrir. Voilà le produit. Il y a le thé pour le diabète. Pour le cancer, voilà. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà. Passez une bonne soirée. Bonne nuit à tout le monde. Love you.